Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un témoignage. C'est vrai qu'en général, je préfère les romans, les polars. Cela dit, c'est un témoignage, on dirait presque un roman. C'est le livre de Philippe Ledème qui s'appelle La Chambre d'amour. Et Philippe Ledème, c'est un scénariste, c'est un réalisateur. Si je dis scénariste, c'est pas au hasard parce que ce bouquin est très très bien écrit. Alors en fait, c'est l'histoire vraie de sa fille. Donc ça commence à la Chambre d'amour. C'est une plage de la côte basque extrêmement dangereuse. Et cette adolescente à 15 ans, elle est au bord de l'eau en train de barboter à peine les jambes dans l'eau. Et au Pays Basque, il y a ce qu'on appelle des baïnes. Ce sont des sortes de creux qu'il y a dans la mer où on peut, à un moment, si on est pris dedans, être vraiment happé vers le fond et entraîné vers le large. Et le père, voyant sa fille barboter là comme ça, à un moment où vraiment la mer était dangereuse, s'est inquiété, commence à descendre vers la plage au moment où la petite est entraînée justement par une baïne. Le père va foncer, se jeter à l'eau. Trop tard, la petite est entraînée, il arrive à l'attraper un peu. Mais il lui lâche la main, lui il est projeté sur les rochers et blessé. Et quand il arrive à sortir de l'eau et à reprendre un petit peu, à se rendre compte de ce qui s'est passé, sa fille est sur la plage en arrêt cardiaque, entourée de sauveteurs et d'une grande foule. Et on essaye de réanimer cet enfant. Et c'est tout son journal de bord qu'il va tenir a posteriori, donc il le tient 3 mois après la sortie de l'hôpital de sa fille, parce que sa fille va s'en sortir, elle va être sauvée, mais il décrit minutieusement, minute par minute pratiquement, tout ce qui va se passer, toute la réanimation, la semaine de coma, le réveil, toutes les difficultés, enfin tout ce qui va se passer dans la vie de sa fille et dans la vie de la famille qui s'en trouve complètement bouleversée. Alors je vous le disais, c'est extrêmement bien écrit, c'est vraiment, c'est d'une précision remarquable, les mots sont très très justes et c'est presque terrible parce que on a l'impression que c'est un roman, que c'est une histoire complètement inventée alors que tout ça s'est réellement passé. C'est ce qui est très très bien décrit, c'est la façon dont cet homme va se retrouver pratiquement en apnée tout le long du coma de sa fille. Et il y a des moments où on a du mal à reprendre notre respiration, mais exactement comme on est dans le même état que cet homme est. Ce qui est très bien analysé aussi, c'est que c'est un couple séparé. Donc il y a une nouvelle femme du côté du père, il y a un compagnon du côté de la mère. Et ça décrit très très bien les liens entre ses parents séparés, la façon dont les choses peuvent comme, malgré tout se passer au chevet d'une enfant qui est dans le coma quand les parents sont séparés. Le tout est remarquablement bien décrit. La façon dont les médecins gèrent et le personnel médical gère l'angoisse de ses parents, tout ça est analysé de manière absolument extraordinaire. Tout est bien décrit. C'est vraiment un livre que je vous recommande totalement, même si c'est effectivement un témoignage et que c'est dur à lire. C'est un vrai roman remarquablement bien écrit.